vaisseau, une locomotive à vapeur. Tout le monde est prêt pour le décollage? J'ai vu ce robot marchand dans les environs. Après une... Tout le monde est prêt pour le décollage? La source de toute confusion, Kursa. Kursa elle-même est hors de portée, mais pas son bras cosmique. Alors on se concentre... L'offensive de Kursa la plus probable sera d'utiliser son bras pour cibler un héros avant que nous allons nous en servir à notre avantage. Vous voyez ces trampolines? Si un héros saute sur l'un d'eux, un pic sera... Et attention à ce que le héros utilisant le trampoline ne soit pas proche du... Let's go!
swash.
L'énergie qu'elle produit est pratiquement incalculable. Elle doit être alimentée par les sparks que Cursa a capturés. Ces sparks peuvent encore être sauvés. Libérons-les en frappant l'étoile. Solo. Okay.
Nous avons réussi. Elle est enfin libérée de l'emprise de Kursa. Une fois encore, nous avons affronté Kursa. Je détecte sa haine envers nous. Je crois que j'ai peur, Bippo. Pas pour moi, mais pour nous tous. Nous avons peur, nous aussi. C'est une émotion des plus normales et naturelles. Concentrons-nous. Oui, oui, bien sûr. Ces projections, là, veuillez en prendre note. Je pense qu'elle les a créées afin de canaliser l'énergie commune de nos armes et d'amplifier la puissance de sa baguette. Si nous chargeons la baguette suffisamment de fois, elle pourrait nous aider à briser les défenses de Kursa. Et ainsi... Let's go!
Secours!
n'avons pas sauvé les Sparks. Nous avons essayé, vraiment essayé. Je veux dire... Ils sont bizarres. Go! Eh bien... Alors, Ginny, qu'est-ce que tu ressens après ta première aventure en tant qu'héroïne à titre honorifique? Ce que je ressens à proprement parler n'a aucune importance. La mission est un succès, c'est tout ce qui compte. Ginny, je croyais que tu t'étais adaptée, que tu avais appris à embrasser des expériences émotionnelles. Du calme, Bipo, ce n'était qu'une boutade, ce qu'on dit pour déclencher une hilarité ou un léger amusement. Ah bon? Comme quoi, mon enseignement n'a pas totalement été vain. Je suis fier de toi, Ginny.